Bloc de Déjà, moteur, bonjour ils ton sont tube, pas. hein, parce qu'on a perdu des tonnes de Bonjour. minutes. Hein. Bonjour ton tube. Bonjour. Alors, Les trucs du moteur vraie sont pleins si question. jamais. Vraie question, monsieur. Plaque de fer rivetée ou rotor en cuivre? Est-ce que tu veux une technologie d'aujourd'hui ou tu veux une technologie pour demain? Demain. D'accord, alors ce sera donc le rotor. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en servir. Parce que ça consomme 52 vis pour faire le plan, c'est-à-dire 195 vis minutes. C'est un peu compliqué avec un tapis qui scinde en deux actuellement, c'est un peu technique. Voilà. Mais l'autre est très intéressant à obtenir. Bien sûr, n'hésite pas à nous Normalement, trouver des tonnes de disques durs si jamais ça te fait envie. il y en a un autre dans le petit coffre. Oh, tu fais des choses à YouTube. Et je t'invite aussi à... Ah, bah autant pour moi. Ah non, parce que pardon. Est-ce que tu peux aller donner à notre commanditaire sa commande? Ah oui, livret. Livraison. On va se mettre sur le pas de tir et tout, on va le faire bien. Il est où le pas de tir? Pas de tir évidemment, comme toujours ce truc-là est posé à l'envers, hein, c'est toujours génial. Là, la commande de pas de tir. C'est chargé. Et pressurisé. On a même mis un petit autocollant. Un petit autocollant. C'est envoyé. Je 2500? crois que c'est déjà fait en fait. 2500. Bouge pas ma gueule. Ah mais attends, je crois que j'en ai broyé beaucoup. Oups. Oupsi doupsi. J'en ai broyé pas mal. J'étais un petit peu de tarba comme ça. Zblu! 1634 en sachant que j'en ai broyé genre bah littéralement un rack et demi hier. Sinon on les avait déjà les 2500. Voilà. Donc des tonnes de nouvelles possibilités cosmiques qui s'ouvrent à nous, c'est ça? Attends, des nouvelles choses dans le magasin, ça veut dire? Oh, attendez 2 secondes. Tant tube, le magasin! Alors. Niveau de l'organisation, on a tout. Niveau de la gestion, on a tout. Non, on n'a pas le câble M15, mais bon, je crois qu'on s'en fout un peu. 3 tickets, je vais pas gaspiller 3 tickets pour ça. Non, on n'a rien d'autre qui est apparu. Ah oui, parce que ça apparaît avec les techs, avec les technos, avec les technologies qu'on débloque dedans. Alors le Let's go. Caterium, c'est bon, c'est envoyé, hein. Caterium, c'est bon, ça part. Alors, Voilà. le raffinage de pétrole, la fabrication de machin. Attends, où est-ce qu'ils sont les tapis? Où est-ce qu'ils sont les tapirs? On s'en fout. Logistique en général. J'ai accès à mon tier 6 là. Convoyeur MK4. Oh Sarah, ça coûte si cher pour aller au. Oh non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, madame la comtesse. Bon, vas-y, on va partir dans l'ordre. Bon. Les tapis MK4, c'est pas tout de suite, hein. Ah bon? Ouais, non, c'est pas encore. C'est pas au point comme technologie, hein. Il me faudrait 50 moteurs. Ah ouais, mais ça va être le crash électrique, là, non? 50 moteurs? Oh, en vrai, vu ce qu'il y a, tu peux même en Non, non, mais balancer j'en dans. ai un hein, des moteurs, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ça relance l'industrie, elle qui était à l'arrêt. Donc ça doit faire une machine qui tourne en plus maintenant. Bominas, bominas. Là, 500. C'est bon. Et 500, ouais, là, ça va être compliqué. Là, moi, c'est pas que je veux pas, mais ça va être compliqué. Oh, l'acier, c'est si dur. On produit tellement pas d'acier. Première fois que je suis en galère d'acier dans ma vie. Oh, t'es en galère d'acier parce que j'ai fait le choix de n'exploiter qu'un seul gisement de charbon alors que j'en ai deux purs l'un à côté de l'autre. Hein. Oui, c'est vrai qu'on pourrait. Bah, en fait, il faudrait littéralement. Parce que moi, c'est ce que je faisais. Je consacrais un gisement d'acier entier
exclusivement à la production de enfin un gisement de charbon entier à exclusivement à la production de d'acier. Ouais. Après j'avais trois gisements purs, donc je pouvais me permettre. Bah on en a trois de pur, hein. On peut se le permettre. On peut se le permettre. On en a même un petit normal comme ça, histoire de. Hé, hey, coucou, je suis là. Ah bah exploite même, j'ai envie de dire plutôt le normal. Parce qu'avec un Comment? normal entier, en fait, ça nous suffit. T'es sûr là, Thierry? Bah je sais, s'il faut qu'on le pile, on le pile. Mais il produira du 120 du 120 charbon par minute non pilé. Alors non, en fait, c'est chiant parce que il alimente aussi une centrale à Ouais, il est déjà charbon. dans un cercle de production. Ouais, mais une seule. C'est la misère à Pierre. C'est tellement la misère à Pierre que je vais être sympa, je vais pas faire attendre ton tube, je vais monter. 2, 3. Allez. On va aller piquer 3 bons chars. Si on peut piquer du bon char, parce que je crois que on peut même pas piler. Je peux piquer vite fait du bon char. Hein. Pff, vite fait. Hein. Le jeu m'a regardé, il a fait. Pff, je te laisse en prendre un petit stack, mais alors, vite teuf. Hein. Je sais même pas ce que je peux faire avec ça. On va essayer. Tu veux du bon char, viens vers moi. Non, mais t'inquiète, hein, j'ai déjà voir ce qu'on peut produire. 99 lingots d'acier, c'est ça. Il m'aurait fallu 200 bons chars de plus pour faire mon Ah bah truc, je les mais ai je vais largement, voir hein. combien de toyaux ça peut sortir. Je les ai largement, les tuyaux de Ah bon bah char. ouais, amène un peu de charbon à la main. Remplis ton, j'ai même envie de dire, remplis ton inventaire de charbon et vide-le dans le dans la caisse à bon char là. À J'arrive, l'occasion hein. quand tu repasses. Parce que j'en ai deux stacks complètes, je viens de détruire Une foreuse? pas une foreuse, Un l'entrepôt qu'il y avait générateur. entre l'entrepôt qui avait qui faisait tampon. Ok. Ah, c'est le drame. Il va y avoir une coupure dans la production qui ne va pas être content. Ah, y a plus de charbon qui arrive. Ouais, c'est ça. Là, ça disparaît vite le charbon. Alors, Ah oui, c'est dans donc en plus je lequel suis qu'il obligé de faut? laisser le bon char parce qu'il y avait une coupure dans le dans la prod, c'est Dans ça? celui-là? Ouais, Hop, voilà. regarde. C'est bon, je refais un aller-retour. Attends. Attends. Ouais, attends. Je vais prendre ce stack là. Et il me faudrait juste un Rémi Doux. Merci. Ok. Je crois qu'avec ça, je peux pas produire tant de tuyaux que ça en plus. J'ai trop de bordel sur moi. tu veux combien de tuyaux en fait? Il m'en faut 500 en tout et pour tout. J'en ai 180 sur moi. Voilà, il y en a qui sont tombés. Mince. Ah. Ok, il m'en faut un peu moins maintenant. Merci beaucoup. La science avance, la science progresse. Passionnante comme vidéo YouTube, n'est-ce pas? En vrai, je m'étonne que mon système ait fonctionné sur le charbon et sur le catharium. Bon, maintenant tu l'as optimisé le catharium, je suis d'accord. Mais le système sur le charbon, il est à la zeub totale et il fonctionne. Pas comprendre. Des fois, quand c'est la zone, ça marche mieux que quand c'est organisé. J'ai eu des gros problèmes quand j'ai organisé mes charbons, tu sais, quand j'ai fait mes usines bien propres, qu'il fallait pomper l'eau pour la monter, etc. J'ai eu des grosses emmerdes, hein, au début.
Ouais, alors c'est chiant, je dois encore me taper deux allers-retours normalement. Mais je remplirai ce putain de truc. Ok, moi j'ai plus qu'à monter à 500. Le reste, je vais le réinjecter dans le réseau. Alors le réseau de lingots d'acier, il faut savoir qu'il est en flux tendu. Il est vraiment à un lingot sort égale un lingot consommé. Ah ouais. Il est en équilibre parfait. C'est la galère en vrai alors. Ça veut dire que si on a le malheur d'avoir besoin ne serait-ce que de un lingot d'acier, on est dans la merde. Et ben tu prends du charbon dans ta boîte, tu prends du fer dans la boîte, et puis tu le fais toi-même ton lingot. Là, mais attends, je produis beaucoup trop de tuyaux là. Stop, arrêtez tout. C'est bon. Pof, 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 pof. Parti. Milestone reached. Oil acquisition and refining unlocked. Oil-based products can now be made. The byproducts of oil refinement can be used after further processing, as seen in the refinery. Caution. This is a reminder to minimize the chance of expiration during out of base activities. Ah, il y en a pas loin en plus. Oh, j'ai pris trop de taux sur moi, j'ai pas compris. Vire. Du pétrole, il y en a pas loin. Il y en a pas loin. Ouais, il y en a autour de 600 mètres, 800 mètres. Au début, t'aimes pas. Ah, mais de toute façon, c'est pas, tu m'as dit, il y en avait genre juste en dessous de la dalle ou un truc comme ça. Si, si, il y en a juste en dessous de la dalle, mais c'est deux normaux, c'est pas. Oui, c'est bien. Non, c'est pas bon. Moi, je veux des purs. Bah, des purs, je crois que tu vas galérer parce que je crois que sur la map, des purs, il y en a pas beaucoup. Bon, je fais le dernier aller-retour et après, j'arrête. Hein. Je commence à en avoir marre. Je produis plus assez de plaques de fer. Je suis à l'arrêt ou ça se passe comment? C'est parce que je l'ai dépilé. C'est vrai que je l'avais dépilé pour accélérer d'autres prods qui finalement ne peuvent pas tenir debout. Les piles, c'est vraiment une ressource, mais ultra dure à trouver. Est-ce que tu penses qu'on... Est-ce que tu sais combien on peut avoir de piles au maximum? Parce que normalement... je sais pas, mais en vrai, large. En vrai, large de ouf. Non, c'est pas large. Il faudrait piler toute l'industrie. Toute. Ah oui, y en a qui s'amusent à le faire pileless, parce que après... en fait, piler, c'est pas intelligent. C'est intelligent au début quand t'as besoin d'économiser tes ressources, mais après quand tu commences à être large en ressources, c'est plus intéressant du tout. C'est plus intéressant de multiplier tes... Parce qu'en fait tu consommes plus d'énergie au prorata de ce que tu produis quand tu piles que si tu posais l'équivalent en production. Il vaut même mieux avoir des machines, plus de machines en sous-capacité, genre en sous-production, que d'avoir des machines en surproduction. Parce que tu consommes plus de courant. Voilà. Mais nous avons du courant infini. Jacques. Bah, malheureux, non. J'aurais bien aimé. Ça aurait été cool. En attendant le retour de ce truc. Jalon suivant. Bon. Jalon suivant, je peux pas le faire. Problème réglé. Jalon d'après, je peux pas le faire. Problème réglé. Jalon encore d'après, je ne peux toujours pas le faire. Tous mes problèmes sont réglés. Je ne peux rien faire. Ah, il faut le plasticos. En fait, là, tous les autres nous nécessitent qu'on exploite du pétrole. Bon, bah. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais quand même en profiter pour gentiment et poliment remplir tous les jalons de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'aura plus qu'à mettre le plastique. Enfin, les produits issus de transformation pétrolière. Raté.
Oui, c'est bon. Non. Voilà. Par zone là. Bon, je peux pas les mettre. Autre jalon, fallait quoi? 3000 de cuivrasse. Et sans autre moteur. 3 piles de cuivrasse et sans autre moteur. Et donc là, il m'en faut 6 fois 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est bon, j'ai tout sur WAM. J'aurais même pu m'intéresser au jalon 6. Pour voir ce que je pouvais déjà mettre dedans. Et je peux déjà mettre des choses dedans. Pour 200 bêtes, ça se fait quoi. 50 moteurs, ça se fait. Ça se fait pas. Ça, on n'a pas ça en ce moment, c'est la crise, laisse tomber. Hein. Mais ouais, 200 bêtes, tout ça. Combien de. Yo, t'étais gourmand, mon gars. Ici, ouais. Ah non, 1000, ça va. 1000 tôle, 50 moteurs, je crois. J'ai oublié combien de bêtes. Qu'est-ce que je suis bête? Mille tôles, à 5, 1, 2, 3, 1, 5, bonne journée. On va prendre 200 bêtes. 200 bêtes. Et re 50 moteurs. Enfin, sacré trou dans les moteurs. Enfin, sacré trou. Oh, en vrai. Oh, en vrai, ça va, ça va. Bon, il revient dans combien de temps? Pff, 6 minutes, allez, vas-y, va mourir. A plus tard dans l'autocar. Ah oui, là, il y a du bon char qui arrive. Hein. Il y a du bon char qui arrive. Ouais. Bah c'est bien. C'est top. C'est que du 9 et 9, 18. Et 9. 270. Alors je sens 240 000. Il me faut une pile. Il me faut une pile vite. En fait, c'est là l'arnaque. C'est pour ça qu'on n'a pas d'acier. C'est pour ça qu'on galère. Alors que ma production était impeccable. Et ben j'ai trouvé la réponse. C'est le gisement de fer qui produit plus assez. Il sort 240, on en consomme 270. C'est l'arnaque. Bah c'est un gisement de fer pété. Hein. On a plein de gisements de fer pur autour de nous, je crois qu'on en exploite un éclaté au plancher là, non? Ou c'est impur ça? C'est impur, bah c'est de la pure merde. 360, c'est bon, ça devrait tenir. Ça devrait rouler tout seul. Il n'y aura plus de problème à cause du fer. Le seul problème que je vais avoir, c'est que le tapis ne distribue pas assez vite le fer, mais bon. Ce qui m'intéresse, c'est que tu produises du 270, mec. Plus ne me sert à rien. 114, disons 112. Ah, c'est plus assez. Et si on part sur un 112,5, parfait. Y a rien à redire. Voilà. Je peux modifier directement ici. Ah, on peut modifier directement pour avoir exactement ce qu'il veut qu'on nous sorte. Ok. Ça, c'est bien, ça. C'est bien qu'ils aient fait ça. C'est top. Ceci dit, café, hein. Parce qu'on est là pour ça, hein, YouTube. On est là, on cherche des prétextes juste pour boire du café, hein. Ouais.
Les autres excuses, on s'en fout. Hein. Bit. Allo Shinai ? Oui. Ça va ? Je suis occupé. Oh non, c'est bon, on avait remarqué. Excuse-nous de t'avoir dérangé. Oh merde. Ah bah oui. Bon, ça va, je suis pas mort. C'est quoi ce monstre, putain ? Un Kraken ? Boum. Ah ouais, c'est ça qu'il faut que je pile. Bah ouais, attends, vas-y. On va user de la plaque de fer jusqu'en bas. On va sucer les fonds de cale. C'est une expression. Ouf. Voilà. On va la creuser la tête. La poutre et la fragmentation, ils aiment pas, hein, les mobs. Ah, la petite barre à fragmentation, la petite dernière. Ouais. T'as aimé? Si t'as kiffé, ça me fait plaisir. Moi j'ai aimé, lui n'a pas kiffé. Hein. Il a trouvé ça un petit peu lourd à digérer. Mille plaques de fer, YouTube, c'est parti. Bon, un jour qu'on se fasse une vraie industrie du fer propre, peut-être, quand même, le truc de base. En sachant qu'on a des gisements de fer pur partout, c'est quand même intéressant qu'on soit. Ah! T'as cassé le. C'est pas moi, c'est toi. Je suis pas du tout dessus, hein, donc. Ça peut bah, raison de plus. Bah. Raison. Ah, bah, vas-y, je vais aller couper les moteurs. Je vais aller couper les moteurs. Voilà. Super, j'espère que t'es content de toi maintenant, fabrique plus de moteurs. Ah, j'en ai marre de ce bug de la main, sérieux. Ce bug de la mort ? De la main. Ah. T'as un bug sur ta main. Ouais, quand je change trop rapidement de d'arme ou quoi que ce soit, ça ne m'affiche même plus ce que j'ai en main et je ne peux plus tirer, je ne peux plus rien faire. Ah ouais, ultra speed. On va déjà mettre ça là-dedans parce que lui dans le chien. C'est bon, on va pouvoir charger de la ressource là-dedans. Pure. Normal. J'ai pas trouvé un seul pur, c'est ça? Ok, ça c'est fait. Suivons. Pur! Oh putain, j'en ai trouvé un. Suivons. Quoique techniquement des cadres modulaires aussi je pourrais m'y intéresser, enfin les cadres modulaires lourds, parce que ça techniquement je peux les produire. Je peux les produire sans pétrole parce qu'il faut juste toi, c'est ça. Ah ouais non mais il faut des tourillots, ouais, j'ai plus de tourillots moi, ouais, ça suffit là. Foutez-moi la paix avec vos tourillots là. J'ai plus rien. Plaque de fer tourillot, ça j'ai dit que je pouvais pas, ça vas-y, ça j'ai dit que je pouvais. Voilà. Mais bon, on en revient ici à celui-là. Voilà, avec la façonneuse, les gros bordels. Bah, vous, merci. Voilà. Normalement, tu n'as pas besoin de changer. Et si on a relancé quelques rotors, là ça va s'arrêter parce que les moteurs sont à l'arrêt aussi.
Ouais, c'est ça. Bon, pour l'instant, ouais, c'est que ça, c'est que des. Il faut qu'on refasse le voilà. Jeu. Normalement, tu viens de voir apparaître sur ton radar un pétrole pur. Eh ben, il va aller nous l'industrialiser à fond. Non, attends, dis-moi que on va vraiment ménager un pétrole pur qui est à l'autre bout de la map là. C'est le seul que j'ai trouvé qui est pur. Sinon, il y a que du impur et du normal entre les deux. Et il a combien de la base, juste pour rigoler? En vrai. Il a combien toi? On peut savoir. Attends, j'arrive. De notre dalle de béton, bah je la vois pas. Donc elle doit être assez loin. Oh ouais, enfoiré, t'es si loin. Ouais. Faut traverser tout le désert. Kiri, j'ai perdu la base. Il y a un coffre sur la map. Ah, c'est toi qui mets des petites balises. Excellent. Ouais. Je m'emmerde un peu. Que tu peux nommer, hein, visiblement, tes balises. Hein. Ouais, ouais, j'ai trouvé comment faire, mais j'ai pas trouvé comment les enlever, en fait. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde grave. T'as supprimé tes balises? Ouais. Que avant, tu sais, tu récupérais la balise et puis c'était bon. Tu la nommais, tu faisais ça à la main. Là, je sais pas pourquoi il faut qu'ils passent par la carte pour les nommer. Oh, chier dans la côte. Moi, je sais pas si c'est vraiment grave, mais bon. Visiblement, ça le cause un trauma lourd. Tac. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé la dalle. C'est bon, ça injecte de la placasse. Voilà, par contre, ouais. Je suis en train de taper lourdement dans la plaque. Ah ouais, je suis en train de taper lourdement dans la plaque. T'apprécies pas, hein? Ah non, t'apprécies pas du tout, hein? Voilà, tiens. Diablo de transgénique de mes. Partie génitale. Voilà. Bon, allez. Fini les conneries. Qu'est-ce qu'on a débloqué là-dedans? Donc la raffinerie, la pompe à pétrole, super, j'en veux pas, je m'en fous, je m'en cogne. La valve, parce que toujours personne n'est capable d'appeler ça une putain de vanne en français, dans le texte. Voilà. Ah non, c'est en hommage à Valve. Mais le problème c'est que tout le monde dit valve, alors que c'est vanne en français. C'est vraiment le mot quoi, genre... Ouais, je sais. C'est un truc de fou. Il y a plein de gens qui me disent, mais non, c'est pas la même chose. Si, c'est exactement la même chose. C'est... Ok, les fondations des murs, ça c'est des conneries que moi j'ai débloquées. Voilà, super. Vous avez gagné des conneries que moi j'ai débloquées, super, incroyable. Est-ce qu'on a gagné des vrais trucs? J'ai pas l'impression, hein. Alors on a gagné une poutre en acier de soutien, super, très content. On est super content. Moi ma vraie question c'est l'organisation. On a toujours que le petit réservoir pourri. Il est où le grand réservoir? Le grand réservoir tu me l'as collé dans quoi? Pourriture communiste. Ok, il est là. Évidemment, on peut pas fabriquer de cadre modulaire lourd tant qu'on n'a pas la façonneuse. Je peux faire ça à la main. Je peux faire ça à la main. Ah. C'est rigolo, finalement, ta façonneuse ne sert à rien. Il suffit d'être un excellent artisan avec une patience en or. Imhotep, ça se fait tout seul. Surtout si tu as une tasse à café. De quoi? Surtout si tu as une tasse à café. Exactement. Néanmoins, on a... Attends, on n'a pas les ressources, hein. On a, et moi qui pensais qu'on avait plein de choses à montrer à ton tube. On va leur montrer, hein. Si vite fait le caterium, à quoi ça ressemble, mais... Oui, c'est bizarre, il y a un trou là-dedans.
Ah, t'as juste changé la taille de la foreuse. Oui. Qui nous apporte le bon char. Est-ce qu'on aménage pas quand même le bon char, en vrai? Ou est-ce que tu veux partir aménager le pétrole? Alors, je suis en train de finir d'aménager le bon char, il me faut des rotors là, alors calme. Et quoi? Et des rotors. Ah putain, merde! C'est où? C'est. On va aménager le nouveau, on est d'accord, hein? Oui, oui, je suis en train d'aménager le nouveau là. Il me faut aussi des câbles, mais j'ai ce qu'il faut. Tac, ok, c'est bon. Je t'invite à là où on va produire futurement l'énergie déjà. Ouais. Parce que là je suis en train de... je vais garder 140, c'est suffisant. Tac tac tac. J'essaie de faire un truc propre. On a pris de quoi faire des réservoirs, je sais plus. Ah, j'ai pu peut-être ça, ça moi ça, mais. Je vais arriver là-haut, il va me manquer la moitié des choses. Je vais péter un peu, c'est sûr. On le connaît. Hein. Il va vraiment falloir qu'on se fasse vite des hyper, tu vois. Vraiment. Ne serait-ce que pour monter sur la dalle. Bah, il faut qu'on s'aménage des trucs. Oh, bah après, pour monter dessus. Ah, tu passes encore par l'escalier, toi? Ouais. Il y a l'étoile de la mort qui arrive! Vite, courez! Non, moi je passe par le câble électrique. J'y arrive pas. Je suis nul. Voilà, coucou ton tube, base d'essai. Hein. C'est une base d'essai. Hein. Voilà, des petits trucs là, aménagés en bas. Ça, c'est juste du béton. Ici, nous ne produisons que du béton. Prototype. On a la même plus loin là-bas, là. Et qui fait que du catérium. Sur un gisement. Parce qu'à chaque fois, on est branché sur un gisement. Et un seul et unique. Ça fait des beaux craquants. Hein. C'est craquant, certes. Ça pareil, hein, c'est du proto-test. C'est posé, c'est de l'idéal. On réfléchit à des choses. On réfléchit à l'esthétisme. Donc toi, tu es parti là-bas. Oula, oui. Ah oui, d'accord. Ah, si loin. Je suis pas sûr à ton projet là. Je crois que tu vas me détester, mec. Hein. Quoi? Allô? Là, je pense que t'es un peu loin des pompes. Hein. Bah, en vrai, oui. Moi, je pensais les mettre vraiment face au mur. Face au mur? Bah, avec le chemin le plus court, c'est-à-dire en gros. Ah non, non, attends. Alors ça là! Ça, ce que j'ai fait là! Le fait que t'aies posé tes centrales. Je suis un connard, j'ai pas de cadre modulaire. Est-ce que tu peux me prêter quelques cadres modulaires, s'il te plaît? Oui, c'est bon. J'ai juste pour te faire une démo. En fait, je veux laisser de la place ici. C'est du 1, 2, 3. Laisser au moins... Allez, jusque... C'est cool, je vais mettre un parapet en béton. Ça sert à ça, ces trucs-là, non? Tac. La glissière. Au moins jusque là. Mm-hmm. D'espace pour les grosses bonbonnes à flotte. Et il nous faut une grosse bonbonne à flotte par pompe. Il y a combien de pompes là-haut? 7. 7 pompes. Ou 6, je sais plus. Ou 6. Non, non, et moi c'était juste pour voir combien je pouvais en aligner en fait. Oh bah autant que tu veux. De toute façon, on recouvrira cet espace nul de béton, on s'en fout. J'en ai mis combien, bordel? Non mais, il y en a encore! Mais... Et j'en ai mis combien? Ok. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6... T'en as 6 là-haut. 6 là-haut... il me faut... Pas des grands réservoirs. Je pense que des petits suffiront très bien, ici. En guise de une valve temps. Ah oui, une valve, oui. Le fameux. Hein. The valve. The valve. Je vais l'appeler The valve.
transport, production électrique. Alors, il faudrait, tu m'as dit. Alors, là, comme ça. Je pense qu'on est bien comme ça. On va quand même éviter d'être con 2 minutes. On va laisser un espace de 2 mètres. Allez, 3 mètres. 3 mètres entre là, au niveau central. Tac. Donc, c'est quoi, je vais les répartir. Parce qu'attends, une pompe à eau alimente quoi déjà? Une pompe à eau pour 8, c'est ça? Donc pour 4 full pilés, c'est ça? Donc 8. 8. Voire 12, je crois, en MK2 avec les pompes à eau MK2, non? Ou les tuyaux MK2, je sais plus. Une histoire obscure de MK2. 3, 4. T'es à 5. 8 là. Là, t'es 8. J'essaie de faire quelque chose d'organisé et de pas trop dégueulasse. Ouais. Alors, c'est intéressant que t'aies laissé un espace au milieu, entre autres pour pouvoir mettre des réservoirs de charbon. Je sais. N'oublie pas que t'es en train de tous les aligner là, mais qu'on peut contourner hein, la roche. Hein. On peut faire des dalles de béton là qui partent sur le côté et t'envoyer ça sur le côté. Hein. Genre par ici quoi, okay. Si tu veux. Hein. Attends, t'es où? Je te vois plus, ça y est. Là-bas. Non mais je te vois carrément plus sur mon radar, c'est génial. Ah, bonjour. Est-ce que là tu me vois? Est-ce que tu vois ma lumière qui éclaire? Je suis à ta gauche. Normalement, enfin je suis à gauche du mur quand tu regardes le mur. Voilà, je suis là. Bon, je peux tout à fait tirer par là. Tu peux tirer quoi hein. Non, pour le moment on va se contenter de faire ça. En plus ça. T'as mis un câble par là et tout, t'as mis du voyage par ici. Je sais pas pourquoi t'as ouais, mis. Ouais, j'ai mis du voyage parce que je cherchais le pétrole. Et je me suis amusé à aller chercher tout le pétrole. Tu vois, on peut urbaniser. Et voilà. Alors, urbanisons, qu'est-ce que toi du coup c'était là? Moi j'aime les trucs franchement parallèles. Genre pas un peu, genre franchement parallèles. 5. Ça fait que ma pompe à eau elle est forcément pas en face. Ah oh, j'ai mal à moi. Je viens de me faire du mal tout seul. Je le sens en moi que je me suis fait mal. Donc là, faut que je fasse un choix politique. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de me faire ça. Non, oh, putain, que je suis pas aligné. Sur cette raie là. Ici, on peut planter. Là, je suis aligné. Hop, un potage. Et là, un poteau. Très bien. Très bien, très bien. 5. En fait. Ouais, non, mais alors par contre, votre mode de par défaut, c'est de la merde. Ça n'intéresse personne. Bah, moi, j'aimerais bien faire un mode zoop avec ce que j'ai. Tu m'étonnes. Mais j'avoue, même pour les industries, ce serait cool d'avoir un mode zoop. Je lui pose tous alignés. Terminé. Mode zoop pour tout. Organisation. Alors attends, j'ai laissé combien de minutes. Alors du coup, on les pose en genre en croix pile en mid. Ça fait joli. 1 mètre, ok. Donc, à peu près. Comment je m'extrais ma flotte de là? Là, je vais mettre là. Sachant qu'il faut que j'évite le chevauchement. C'est, ça m'inconforte. Hein. Et ben le nu sans indicateur. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert, mais voilà. Et là, nous, ce qu'on veut, donc, c'est se retrouver entre deux trucs. C'est ça.
Vraiment. J'ai plus de plaques de fer renforcées, faut que j'aille en chercher. J'en ai. Non, mais de toute façon, faut que j'aille à la base de faire chercher du matos. Ok, tu peux bien ramener quelques cadres modulaires, s'il te plaît? Ah, bien sûr. Parce que j'en ai plus, moi non plus. J'ai du cadre modulaire lourd, mais. Du lourd? Ouais, j'en ai besoin 20. Pour la recherche. J'en ai une vingtaine là. J'ai trouvé ça tout à l'heure en passant à côté d'un truc. C'est formidable, il en faut pour la recherche. Tac. Ouais, donc je t'ai tourné trop vite, mon gars. Moi, je t'ai pas assez tourné. Moi, bon, alors les cadres modulaires, sauvage, c'est bien. Les cadres modulaires, c'est ouf. Mais j'ai double clic. Et j'ai clic gauche qui tourne en même temps. C'était très étrange. Là, c'est les rotor stator. Putain, on a tout. En vrai, c'est bordélique, c'est rien. Rien n'est indiqué. Stator. Poutre de bêta là, renforcé, il va. YOLO! Je suis totalement. Maintenant, je suis totalement paumé sur notre réseau de production. Ça a trop changé. Qu'est-ce que tu cherches? Tout. Je sais pas, je suis paumé. Oui, mais qu'est-ce que tu cherches? T'as besoin de quoi? Alors, j'ai déjà trouvé les plaques de fer riftées. Maintenant, il faut. Attends. Je vais déjà faire un truc intelligent. Hop, ça, c'est bon. Et les cadres modulaires normaux. Tac, 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 tac. Alors, littéralement au milieu. T'as les machines à vis, à clous, à rotor. Bah, tu suis le chemin du rotor, c'est la première machine que t'as sous le nez. En suivre le tapis, hein. C'est en direction de la machine. C'est au milieu du bordel. Un rotor. Ou alors, si tu veux plus simple, tu vas jusqu'à l'ascenseur orbital. Et à l'ascenseur orbital, là, t'as les conteneurs qui longent sur les côtés. Alors, d'un côté, t'as évidemment les aciers. C'est bon, et j'ai le premier qui vient se coller à droite, là, c'est le conteneur du. Qui vient se coller juste à sa droite. C'est le conteneur de cadre modulaire. Ouais, bah j'en ai pris 200. Tout. Ah oui, mais il y a un autre truc qu'on a oublié de faire jusqu'ici. Incroyable. Vas-y, dis. Attirer l'électricité jusque-là. Ah bah attends, ça pour le moment. Bah déjà, il n'y a pas le charbon. Ah non, parce que moi l'idée c'est de brancher une pompe, charger un truc, avant de plonger, tu vois, enfin faire de la réserve d'eau. Sans brancher toutes les machines en même temps, sans faire crash le bordel. Donc je vais commencer. Je te tire ça puisque je reviens de la base. Ah bon, écoute, merci, tu es un amour. Je sais pas si on peut dire ça. Tu es un Eric Zemmour. Voilà, là c'est mieux. Parfait. Et mon plan est parfait. Par contre, j'ai pas de fil actif. Peut-être t'en prendre. Est-ce que. J'aurais pas de l'humour. Non, tu as du Zemmour. Effectivement. Est-ce que je ferais pas genre des deux murs? Est-ce que j'aime l'humour? Alors, genre le truc qui dépasse. Genre, ce serait un peu drôle, hein, ton tube. Ouais, ton tube, j'ai compris que t'avais pas d'humour. C'est bon. Ça va. Tiens, prends tes gros bons murs en béton, connard. De l'humour, YouTube, voilà. Un peu. De l'originalité, quoi. Des choses, quoi. Vends-nous du rêve, ton tube. C'est en face, hein. Ouais, c'est en face. Ouais. Pris du fil actif pour au moins remplacer, pour au moins pouvoir placer des poteaux MK2. Je pense que ça va être nécessaire d'avoir des MK2. Ah oui, les potales. Oui. Ouais. Après, ceux qui transportent en soi, qui font juste une ligne de courant, y a pas. Y a pas de grande nécessité. Mais oui.
Après, sinon, tu les posais juste en normal, tu me disais, moi, quand je faisais mon retour, de les transformer en MK. Je te les transformais, Non, hein, non, pas de soucis. les retours, je suis d'accord, on les laisse en MK. Les trucs comme ça, on les laisse en MK. Mais je veux dire, regarde, vu la centrale que j'ai faite, il vaut mieux avoir du MK2 en plein milieu, parce que sinon tu vas rejoindre que dalle en fait. Même pour toi. Certes. Ouais, ça, l'esca, on verra plus tard. Salut! Plus d'escalier. On va le remplacer par un escalier mucho praticos. Genre par là. Mucha moche là. Hop là. Ah oui, bien. Hop, parfait. On peut y accéder. C'est facile d'accès, c'est parfait. Et nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est pas se péter une bonbonne ici. Organization. L'autre, ouais, j'aurais assez de place pour l'autre, hein, je pense. Je pense 3-4, Ah, t'as tu déjà mis vois. un MK... C'est des MK2 là? Ah oui, moi, dès que je pose un poteau, c'est un MK2. Hein. D'accord. Et ben voilà. C'est bon, j'ai tout. Ah putain, t'en as mis un en haut aussi? Ok, d'accord. Ouais, j'en ai mis un dans le coin tout en haut. Mais attends, je vais le virer parce qu'il est moche. Je vais mettre un petit mural. J'arrive. Alors j'ai... Ah oui, mais d'accord, t'as créé un réseau dans le réseau. T'as fait du réseau, c'est sûr. Ok, ça marche. Pas tous. Je vois what are you doing. Alors que moi, je vais créer des poteaux pour créer des poteaux. Genre, je vais créer un poteau là. On appellera le joli poteau là. Là! Et ensuite, je vais créer un autre poteau, mais qui est un poteau mural. Du coup, on va l'appeler le poteau Mac. Ah, parce qu'il donne. Il vend ses filles? Et c'est quoi? Parce qu'il vend ses filles? Hein? J'en sais rien, moi. Bah, c'est un poteau Mac. Ah oui, putain, incroyable! Oh, il adore l'humour! Excellent! Parfaitement d'accord. En effet. Mais merde, tu vas. Mais. Merci. Et je peux savoir pourquoi je me fais traiter de merde comme ça? Alors que j'ai compris la Non. règle. C'est pas ça, c'est que mon clic ne voulait pas se faire. Des fois, mon réseau électrique ne veut pas prendre. Le câble est trop long. Ah merde. Personne ne verra. Personne ne verra rien, ton tube, t'inquiète. T'es gâté, poteau. Tu dis ça parce que je suis en train de placer des poteaux? Non, je dis ça parce que je suis en train de faire de la merde. Gentiment. Enfin, gentiment de la merde. Sauf que je laisse mon trou dans le mur. C'est très joli. C'est esthétique. Alors, est-ce que c'est raccord avec nos idéaux, ton tube? C'est surtout ça qui nous intéresse. Moi, ça m'a l'air ultra propre. Hein. De mon point de vue, ça a l'air plutôt incroyable. Ça y est, toutes les usines et... Apprends à fermer ta gueule, s'il te plaît, Shinai. Toutes, ou presque toutes, ont été conquises par Rome. Non, c'est pas ça. Je suis pas dans le bon scénario. Non, c'est pas dans le bon scénario, malheureusement. Ça fera un bon scénario de film. Pas sûr. Boum. Allez, je vais peut-être Voilà. tirer là-dessus, hein, mais est-ce qu'on a envie de tirer là-dessus? Je sais pas, moi. Je sais pas. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Je suis pas sûr, hein. L'idée, c'est quand même de garder le lieu, dire un petit peu sauvage, quoi. Genre écolo, quoi. Le mot est lâché. Écoloclaste. Eh bien, ça fait très crade de ce que j'ai fait. Je suis déçu. J'ai plus beaucoup de câbles par contre, moi je suis un peu déçu aussi. Est-ce que t'as un peu de câbles sur toi? Oh oui, j'ai. Je peux faire tourner du câble.
Juste bien. 50, ça ira, merci. J'enfile la moitié. Bonne journée. Merci. Et ça, c'est le regret. Ouh, c'est une jambe. Non, n'oublie pas que l'on régène grâce à la respiration profonde. Ventrale. Grâce à la respiration ventrale, nous régénérons notre centre, notre santé. Il faut que tu respires. Non, mais j'aurais dû prendre du câble. Bon, bah, je suis reparti. Mais normalement, ta pompe à eau est alimentée. Elle est alimentée, en effet. C'est dommage qu'on puisse pas détruire les trucs de poison avec les bombes. Les gros, là. Ouais, je suis d'accord. Ou que tu puisses pas les traiter ou faire quelque chose... genre, pour les neutraliser, genre, si tu les passais au charbon... Genre, si t'avais une cage que tu pouvais construire autour pour confiner ces trucs-là et les neutraliser au charbon ou un truc comme ça, tu sais. Ouais. Ça aurait été rigolo. Ou un mélange de soufre et de charbon, j'en sais rien. Enfin, bref, il se débrouille, quoi. Bah, de l'explosif, quoi. Ouais. Un grand coup de obélisque. Non, mais je parlais de filtrer la substance intérieure, tu vois. Oui, je... Et produire de l'énergie, faire de la biomasse avec du poison, et... Ah, pardon, je vais trop long. Oh yes. Ça me va, hein. Quand il va, là. Je trouve que nos poches sont pas assez grandes. Bah, j'aimerais bien les agrandir, mais les projets, c'est compliqué. Attends, mais on exploite deux gisements purs de fer et on est en rate de fer, tu m'as dit ? Oui. Vache. On a des sacs. En sachant que il y a certaines choses qui n'utilisent plus de fer. Hein. Ouais. Sois bien d'accord. Il y a des choses qui utilisent à la place de l'acier ou des conneries comme ça. Mais le problème, c'est pas l'exploitation même qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est le... Oh putain, j'ai tout raté. Super. Ce qui pose problème, c'est le nombre de d'usines qui produisent des matières premières de fer. On n'a qu'un seul truc qui produit des cadres modulaires, on n'a qu'un seul constructeur de plaques de fer, on n'a qu'un seul constructeur de tiges, on n'a qu'un seul constructeur de vis. Alors qu'on est littéralement en train de consommer le fer à l'infini comme des crotardes. On tourne au fer comme des sourds. Mmh. Eh ben... J'ai presque envie de commencer à ramener le pétrole. Enfin, pas le pétrole, le charbon, je veux dire. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas du tout de charbon aux environs. Hein. Le plus proche, c'est notre usine qui est à 1100 mètres. Hein. Ah si, par là, il y en a. Attends, je vais faire un coup d'exploration. Il y a du charbon en contrebas. Ouais, mais à 1500 mètres. Est-ce que j'ai envie d'aller le chercher? Putain, répondre sérieusement. J'ai envie de répondre oui. Ouais, mais c'est loin. Oui, mais l'autre le problème, c'est que même si on va le démolir pour le reconstruire au propre et le petit machin, tout ça, on va avoir besoin nécessairement d'autres sources de charbon. Genre, c'est nécessaire. Bon. Mais d'accord. Alors, attends, moi, en termes de pompe à eau, là, si t'as construit un truc pour alimenter 3 pompes à eau, même pas, de 2,5. Est-ce que tu t'es laissé assez de place pour... Ouais, je crois que tu t'es pas laissé assez de place. Hein. Ah bon? Ah, je crois, hein. Parce que regarde, entre les... Enfin, la première rangée, oui, t'as largement la place devant. Mais la rangée de derrière... Ah, c'est pas assez? J'ai laissé 1m5. Bah, t'as laissé 1m5, il va falloir mettre tout ton triage de tuyaux, de répartiteurs, de machin. Ah, merde, ok. T'as oublié aussi que dans ces couloirs-là, il faut que tu laisses passer et tes stockages de charbon par rangée. Et les tuyaux de flotte, qui vont du coup venir alimenter ceux qui sont derrière. C'est bon pour vous? Dites-moi si c'est bon pour vous ou pas. Non, la première rangée c'est bon, t'as dit. Voilà. Bon. Je te laisse divertir ton tube. Quoique, ça fait combien de temps ton tube? Ça
fait un petit épisode là, ton tube. Oh, des bisous, ton tube. On se retrouve pour le pétrole.